Bonjour les tricopines, nous allons réaliser ensemble aujourd'hui ce très joli gilet. Donc c'est un gilet réalisé avec le fameux point fantaisie graines de café. Alors vous vous souvenez, j'avais fait un gilet rose où je présentais ce point et la plupart du temps j'étais hors caméra comme vous me l'avez dit. J'ai voulu me rattraper donc j'avais dit que je le referais et je l'ai fait mais en apportant des petites modifications. Dans la vidéo. Donc dans la première vidéo que j'avais avec la laine rose, que j'avais faite avec la laine rose, le point fantaisie était, je pense, juste au niveau du dos. Là, je l'ai, regardez, donc sur les demi-devants, au niveau de notre manche. Donc moi, en tricotant, regardez les tricopines, j'ai fait une tache. Donc faites attention si vous utilisez du blanc. Donc au niveau des manches aussi, je vais vous montrer comme ceci. Les deux manches, on a donc j'ai rajouté le point fantaisie et je vous montre donc le dos. Et au niveau du dos aussi, nous avons notre point fantaisie ici et aussi bien sur les manches que les demi-devants et sur le dos, regardez, on va l'évaser de façon à apporter un petit peu de, comment dire, de souplesse. De le rendre un peu plus ample au niveau du bas à partir de la taille. Voilà les tricopines. Donc, j'espère que là j'ai été à la hauteur des explications, que ça a été bien filmé. Donc, c'est un gilet pour un enfant de 2-3 ans. Vous pouvez, alors tout dépend de la corpulence de l'enfant, du poids de l'enfant, les tricopines. Donc, ça peut très bien aller à un enfant de 3-4 ans, comme ça peut aller à un enfant de 2 ans. Bon, ça sera peut-être un peu plus long pour un enfant de 2 ans. C'est plutôt pour 3. Oui, 3 ans. Alors, si vous voulez l'agrandir, c'est très simple. Vous allez rajouter une maille ou deux mailles sur chaque demi-devant. Regardez, deux mailles ici, deux mailles ici, deux mailles sur chaque manche. Donc, quand vous avez votre point ici fantaisie, donc vous rajouterez une maille supplémentaire de ce côté-ci, une maille supplémentaire de ce côté-ci aussi. Donc, ça, vous verrez en fonction de la vidéo. Donc, moi, le nombre de mailles que je donne, vous rajouterez une maille de chaque côté. Si vous désirez le réaliser pour du 4 ans, si c'est du 5 ans, vous doublerez le nombre de mailles. Donc, pour le dos, c'est pareil. Regardez, vous avez une maille de chaque côté. Vous allez rajouter. Donc, deux mailles de ce côté-ci, deux mailles de ce côté-ci pour le dos. Donc, le dos, on rajoute quatre mailles supplémentaires, deux mailles pour chaque manche et deux mailles pour chaque demi-devant, ce qui nous fait à peu près 10 mailles, si je ne me suis pas trompée. Et pour chaque tranche d'âge, vous pouvez augmenter ainsi de 10 mailles. Et pour les manches, comme c'est un gilet top-down, donc moi, j'ai tout le temps, j'aime bien les top-down. Ça m'évite de faire les bras, les différentes parties séparément. Et donc, ici, au niveau des augmentations, moi, je compte en points ajourés. Regardez, je compte mes points ajourés. Là, j'en ai 20. Alors, 20 correspond à 40 rangs. Vous pouvez faire jusqu'à 21, 22 ou 23 points ajourés. Si vous comptez vos points ajourés, si vous comptez vos rangs, ça vous fera 42, 46 en fonction de ce que vous désirez. Pour ce qui est de la longueur, donc vous pouvez très bien, si vous désirez pour le faire pour un enfant beaucoup plus grand, c'est que vous avez suivi exactement la même méthode que j'ai utilisée ici, la même technique, c'est-à-dire, donc vous allez faire vos points de fantaisie, donc les points, les petites perles que j'ai rajoutées, c'est facultatif, donc si vous en avez, c'est parfait, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est après, vous suivez les indications que je vous donne pour faire les augmentations, parce que vous allez voir que de chaque côté, nous avons des augmentations ici. Et donc, si vous voulez le faire plus grand, vous allez continuer à faire vos augmentations jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous souhaitez. Voilà les tricopines. Donc, il nous faut 40 perles si vous désirez réaliser des perles avec des perles. Donc, je vous. C'est des petites perles comme ça que j'ai vraiment achetées dans des magasins où ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Donc, pareil pour les nœuds. Vous pouvez rajouter des nœuds de votre couleur, de votre choix. Ça peut être des nœuds blancs, des nœuds, ce que vous désirez. Donc, deux pour les manches, un pour chaque manche, deux pour
chaque demi-devant, donc un pour chaque demi-devant. Et pour le dos, les tricopines, moi j'ai mis ça juste pour vous montrer. Donc je n'ai pas cousu, regardez, j'ai fait tenir avec une épingle ici. Donc là, l'idéal, ça serait que vous ayez un ruban qui soit assez gros, qui fasse à peu près 5 cm, de façon à ce que vous puissiez faire un très joli nœud. Donc je pense que sur le net, vous trouverez des nœuds, parce que moi je ne sais pas les faire. Donc vous mettez votre nœud, votre gros nœud ici. Vous pouvez tricoter aussi les tricopines. Vous tricotez une bande, je ne sais pas, moi par exemple, 10 mailles que vous tricotez pendant à peu près 10. Alors que je ne dise pas de bêtises. Voilà, vous montez 10 mailles que vous tricotez à peu près pendant 12 cm et que après au milieu vous serrez comme ceci de façon à former un petit nœud. Et puis vous pouvez mettre des rubans comme ceci après pour décorer. Donc voilà, j'espère que j'ai dit l'essentiel. Donc je vais vous donner des mesures. Alors je pars du haut jusqu'en bas, j'ai 41 cm. J'ai en partant de sous les épaules 31 cm. Et les manches, donc toujours en partant du col, 37 cm à peu près la longueur de nos manches. Alors celui-ci, les tricopines, j'ai repassé. Donc il nous faut 3 boutons aussi, que j'oublie pas de vous dire. 3 boutons. Si vous désirez faire des boutonnières tout le long, vous pouvez donc faire autant de boutonnières que vous désirez. Par contre, je pense dans la vidéo avoir dit, vous faites une boutonnière tous les 8 rangs. Pour moi, 8 rangs, les tricopines, ce sont mes barres de pamplemousse, donc ça correspond à 16 rangs. Si vous entendez 8 rangs, ça correspond à 16 rangs parce que moi, je compte les barres de pamplemousse. Donc, ce gilet, je l'ai repassé. Comme c'est une laine 100% acrylique, les tricopines, vous prenez votre fer à repasser, vapeur, et vous appuyez juste sur la vapeur, mais vous ne touchez pas votre gilet, parce que là, le gilet, après, il ne sera pas joli du tout. Donc, vous donnez juste un petit coup de vapeur, regardez, comme ceci. Vous passez comme ceci, et vous tapotez avec votre main après. Surtout, vous ne posez pas sur votre gilet si vous tricotez avec du 100% acrylique comme moi. Si vous utilisez une laine 100% laine, là, vous pouvez y aller, vous pouvez repasser sans aucun problème. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc, si vous désirez le faire beaucoup plus petit, par exemple, vous pouvez très bien utiliser une laine layette. Avec une laine layette, en gardant les mêmes nombres de mailles, vous aurez un résultat beaucoup plus petit. Au moins, ça va vous... Au moins de 500... Je pense que ça va... Comment vous dire, ça va réduire de 5 cm à peu près si vous utilisez une laine layette que vous tricotez avec des aiguilles 3,5. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Nous allons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet les tricopines, donc j'ai utilisé une laine 100% acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Et elle mesure 140 mètres à peu près. Donc, normalement, moi j'en ai prévu 5. Je vous le dirai après en début de vidéo combien de pelotes il m'a fallu pour réaliser ce gilet. Alors, il nous faut des anneaux marqueurs. Donc, si vous en avez, c'est formidable. Sans quoi, c'est pas forcément nécessaire, les tricopines, vous verrez bien tout à l'heure. Mais voilà, moi j'aime bien en mettre. Alors, pour la réalisation, dans un premier temps, vous allez monter 85 mailles. Vous montez 85 mailles que vous tricotez au point de mousse, comme ceci. C'est-à-dire, vous tricotez à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, nous allons donc passer aux différentes, à la séparation de nos différentes parties, c'est-à-dire le demi-devant, les manches, le dos. Et nous allons aussi commencer à former notre première boutonnière. Nous avons 6 mailles de bordure. Alors, il y a un autre détail auquel je vais vous dire tout de suite. C'est-à-dire, quand vous avez fini de tricoter votre rang et que vous arrivez à la fin de votre rang, vous êtes comme ceci. Donc,
La dernière maille, vous la tricotez pas. Vous passez votre fil face à vous, comme si vous alliez tricoter votre maille à l'envers. Regardez, et vous la faites glisser sur votre aiguille de droite sans la tricoter, et vous tournez. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez la tricoter normalement. Donc ça, c'est pour avoir une jolie bordure. Je vous montre comme ceci. Donc, avec notre maille lisière, on tricote deux mailles. On prend deux mailles ensemble, on fait un jeté et on tricote deux mailles. Ça, ce sont nos mailles de bordure et nous allons mettre un nanomarqueur. Maintenant, nous allons tricoter 9 mailles parce que pour le devant, on utilise pour l'instant 15 mailles. Donc, nos mailles de bordure plus 9 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors 1, 2, 3, 8, 9. Maintenant, donc, nous allons faire les différentes séparations. Pour cela, on fait un jeté. Les jetés correspondent à nos augmentations. Et là, je place un nanomarqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Je place un nanomarqueur et je fais un jeté. Pour notre manche, on va tricoter 11 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Première manche, un jeté. Et on place notre nanomarqueur et on tricote deux mailles. Une, deux. On place notre nanomarqueur et on fait un jeté. Pour le dos, nous avons 25 mailles. Alors, j'ai oublié de vous dire que je tricotais avec des aiguilles numéro 4. Donc, je vérifie. Donc, notre jeté, on ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Un jeté, on va placer un nanomarqueur, deux mailles à l'endroit, je place un nanomarqueur et je fais un jeté. 11 mailles pour notre deuxième manche, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Donc 11. Je place, je fais un jeté, je place l'anomarqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit. Je place l'anomarqueur et je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 fois que nous avons tricoté les 11 mailles pour notre deuxième manche, nous avons fait un jeté, 2 mailles à l'endroit, on a placé là nos marqueurs, on fait un jeté et on tricote 9 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors je vérifie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 mailles, voilà, il doit me rester 1, 2, 3, 6 mailles. Je place un anneau marqueur pour mes mailles de bordure et ici, pas d'augmentation, je vais vous expliquer. Alors, et notre dernière maille, je vous ai dit, on passe notre fil face à nous, on fait comme si nous la tricotions, mais on ne la tricote pas et on tourne. Alors, ici, je place un anneau marqueur de chaque côté de nos 6 mailles de bordure. C'est pour me souvenir que quand je suis sur le derrière du travail, sur le côté envers, je dois tricoter ces 6 mailles à l'endroit. Donc, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, je tricote à l'endroit. Ici, donc, on a placé ces doubles anneaux marqueurs, regardez, de chaque côté de ces deux mailles centrales que nous avons ici, regardez. Donc ça, c'est pour nous rappeler que quand on arrive au niveau de cet anneau marqueur, on doit faire un jeté. Et après le deuxième anneau marqueur, on doit faire un jeté, c'est-à-dire on augmente de chaque côté de ces deux mailles ici. C'est pour permettre à notre gilet de s'agrandir. Donc maintenant, nous sommes sur l'envers. Et sur l'envers, donc je vous disais, vos 6 mailles de bordure à l'endroit. Et toutes vos autres mailles ainsi que vos jetés, vous allez les tricoter ainsi à l'envers. Donc vous allez tricoter ainsi à l'envers toutes vos mailles ainsi que vos jetés que voici comme ceci. Vous glissez vos anneaux marqueurs et vous continuez. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'à votre dernier anneau marqueur. Ces 6 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit et on va commencer à former notre point fantaisie qui est le grain de café. Alors, maintenant nous sommes à notre premier rang. On va compter celui-ci comme le premier rang de notre point fantaisie. Donc, le premier rang, alors notre point fantaisie se fait sur 4 rangs. Donc, notre premier rang, on tricote nos mailles de bordure. Maintenant, nous allons tricoter une maille à l'envers. Alors, 1, 2, 3. Nous avons, regardez, notre troisième maille qui est sur notre aiguille de gauche. On la prend comme ceci. On le fait passer par-dessus les deux autres et on la laisse tomber. Regardez, nous avions 3 mailles, on se retrouve avec 2 mailles. Maintenant, je tricote une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Et je recommence. 1, 2, 3. La troisième maille qui est sur notre aiguille de gauche, je le fais passer par-dessus les deux autres et je la laisse tomber. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je tricote une maille à l'endroit. Je suis arrivée au niveau de mon anneau marqueur, donc je fais un jeté, je glisse mon anneau marqueur, je tricote une, deux mailles, je glisse l'anneau marqueur et je fais un jeté. Pour les manches, nous allons tricoter une, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on tricote, regarde, 1, 2, 3, la troisième maille, je la fais passer par-dessus les deux autres. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je reprends. Troisième maille, je fais passer par-dessus les deux autres. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit.
une maille à l'envers, une, deux mailles à l'endroit, un jeté, je glisse mon anneau marqueur, je tricote deux mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Donc les anneaux marqueurs à ce niveau-là, les tricopines, vous pouvez très bien les enlever si vous n'en avez pas besoin. C'est juste pour nous... Alors moi, je les mets surtout dans mes vidéos, c'est pour éviter de compter, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on fait des augmentations, regardez, pour nos manches de chaque côté, pour le demi-devant d'un seul côté, donc le nombre de nos mailles change tous les deux rangs. Donc, j'ai fait un jeté et maintenant, je suis sur le dos. Le dos, nous allons tricoter une maille à l'endroit, après notre jeté, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je fais, regardez, troisième maille par-dessus les deux autres, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je recommence, donc je le fais six fois les tricopines. On l'a fait une fois, on le fait une deuxième fois, donc une maille à l'envers, et deux mailles que je fais passer par-dessus, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc nous l'avons fait deux fois, troisième fois, une maille à l'envers, troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres, regardez, et je la lâche. Une maille, un jeté, une autre maille à l'endroit. Nous l'avons fait trois fois, quatrième, une maille à l'envers, troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Cinquième fois, une maille à l'envers, troisième maille que je fais passer par-dessus, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc nous l'avons fait, 1, 2, 3, 4, 5, et on va faire encore une fois. Donc, troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté. Je glisse l'anneau marqueur et je fais mes deux mailles. Je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Maintenant, nous sommes sur notre deuxième manche. Deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Et on reprend. Une, deux, troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres en tirant bien dessus. Comme ceci, regardez, et je la lâche. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. La maille que nous avons laissée tomber, ici, la troisième maille, est remplacée par notre jeté. Une maille à l'envers, et je reprends, regardez, hop, je vais passer par-dessus. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une, deux mailles à l'endroit et je fais un jeté. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote une, deux mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, je fais un jeté. Donc nous sommes sur le devant. Je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Que je ne fasse pas de bêtises. 3, toc, toc, c'est parfait. Donc, troisième maille, je vais passer par-dessus. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, je tricote une maille à l'envers. Je passe le fil derrière et je recommence. Troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres, regardez, et je la laisse tomber.
une maille à l'endroit, ajouter une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Maintenant, je termine avec mes mailles de bordure. Donc, n'oubliez pas, c'est facultatif, mais ça nous permet d'avoir une jolie bordure. Donc, la dernière maille, regardez, vous passez votre fil face à vous, vous la prenez comme ceci, comme si vous la tricotiez à l'envers, et vous tournez. Donc, la dernière maille, vous la faites glisser, vous ne la tricotez pas. Nous sommes sur l'envers, c'est notre rang envers. Et par-dessus, donc, c'est notre deuxième rang. On tricote nos 6 mailles de bordure. Et ici, on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, regardez. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles de bordure, la maille qui suit, c'est une maille à l'endroit. 3 mailles, une, ainsi que notre jeté à l'envers. Une maille à l'endroit, une, deux, trois mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers et notre jeté aussi à l'envers. On glisse là nos marqueurs et on tricote nos deux mailles omis entre nos deux anneaux marqueurs à l'envers. Je tricote donc une, deux, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Ça, c'est notre manche. Une, deux, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et je termine ma manche avec une, deux, trois mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote deux mailles à l'envers. Maintenant, on tricote notre dos, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, trois mailles, une, deux, trois mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers. Donc 6 fois, une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une, deux, trois mailles à l'endroit. À l'envers, excusez-moi, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et je termine le dos avec deux mailles à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote une, deux mailles à l'envers. Notre manche. Nous avons une, deux, trois mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'endroit. À l'envers, une maille à l'endroit. Une, deux, trois mailles à l'envers, on termine donc. Nous avons fait notre deuxième manche. On glisse l'anneau marqueur, on tricote nos deux mailles, on glisse l'anneau marqueur et on tricote une, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Une, deux, trois mailles
à l'envers, une maille à l'endroit, une, deux, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Et je termine avec mes mailles de bordure. N'oublions pas la dernière maille. Regardez, je passe mon fil face à moi. Je la prends comme pour la tricoter et je tourne. Alors, là, je vous ai expliqué sur l'envers comment j'ai compté avec vous, donc pour bien vous expliquer. Mais à partir de maintenant, nous n'avons plus besoin de compter nos mailles parce que vous allez voir qu'une fois que vous serez sur l'envers, vos mailles vont se... Vous allez les tricoter comme elles viennent. De toute façon, vous allez voir, elles vont bien se... Comment dire, vous allez bien voir vos mailles envers et vos mailles en droit. Donc, nous sommes à notre troisième rang pour le point fantaisie. Et maintenant, on ne fait absolument rien. C'est-à-dire, on tricote, regardez, notre maille à l'envers et nos mailles, donc, comme elles se présentent. On tricote nos mailles à l'endroit, nos mailles à l'envers, nous les tricotons à l'envers. Donc rien d'exceptionnel. Et dès qu'on arrive, regardez, au niveau de nos anneaux marqueurs, on n'oublie pas de faire nos augmentations. Donc c'est ce qui va permettre à notre gilet de s'élargir. Je tricote deux mailles donc à l'endroit et je fais un jeté. Et maintenant, regardez, je regarde une, deux, j'ai trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Une, deux, trois mailles à l'endroit. Et regardez ma maille ici, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin en regardant vos mailles et en les tricotant comme elles se présentent. Et on n'oublie pas, donc, arriver au niveau des anneaux marqueurs, de faire un jeté. On glisse l'anneau marqueur, on tricote nos deux mailles, on glisse l'anneau marqueur et on fait un jeté. Et maintenant, on tricote nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire nos mailles à l'endroit et nos mailles à l'envers. Nous les tricotons à l'envers. Vous allez continuer ainsi, les tricopines, à faire votre troisième rang. Vous voyez, votre point commence à bien se dessiner. Donc, vous continuez ainsi. N'oubliez pas vos augmentations ici et ici. À chaque fois que vous voyez ces deux anneaux, avant le premier et après le deuxième anneau marqueur, à jeter. Si vous ne mettez pas les anneaux marqueurs, regardez, dès que vous arrivez à vos deux mailles ici, vous voyez les deux mailles ici, ce sont nos mailles de référence, une augmentation avant et une augmentation après ces deux mailles. Donc vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vous glissez votre anneau marqueur, donc ici, pas de jeté, c'est juste pour nous montrer que nous sommes arrivés à nos 6 mailles de bordure. Donc vous tricotez vos 5 mailles de bordure, votre dernière maille, vous ne la tricotez pas. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers. Et regardez, vous voyez, on voit très bien nos mailles qui sont ici à l'endroit. Donc vous allez tricoter vos 6 mailles de bordure à l'endroit. Et puis après, regardez, vous avez une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit. Non, pardon. Vous tricotez, vous êtes sur l'envers, c'est votre quatrième rang. Vos 6 mailles de bordure. Vous avez une maille à l'endroit ici que vous tricotez à l'endroit. Vos mailles qui viennent, regardez, qui suivent sont à l'envers, vous les tricotez à l'envers. La troisième, regardez, la maille qui suit est une maille à l'endroit. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et nous, on va se retrouver donc... après le quatrième rang, sur l'endroit, et on va reprendre au rang numéro 1 pour notre point fantaisie. Et je vais le faire avec vous. Alors, une fois que nous avons terminé nos 4 rangs pour notre point fantaisie, donc on reprend au rang numéro 1. Donc, notre première maille, nous la tricotons. On tricote nos mailles de bordure. Donc,
Pour ce qui est de notre boutonnière, nous le faisons tous les 16 rangs. Donc je glisse mon anneau marqueur et je tricote une maille à l'envers. Et je recommence, regardez. Ici nous avons notre point fantaisie et je refais exactement la même chose. Je prends la troisième maille que je fais passer par-dessus les deux autres et je lâche. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une, deux, trois. Je passe par-dessus. Et je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et je fais donc une maille à l'envers. Je tricote mes mailles, donc j'en ai trois ici jusqu'à l'anneau marqueur. Un jeté, je glisse l'anneau marqueur, je tricote une, deux mailles. Je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Une, deux. De toute façon, au fur et à mesure, vous allez voir vos nombres de mailles ici. Bon, regardez, nous avions une maille ici. On avait commencé avec une maille à l'endroit, deux mailles à l'endroit pour nos manches. Et là, regardez, nous en avons une, deux, trois, quatre. Donc, au fur et à mesure, ça va s'agrandir. Mais ça, vous ne tenez pas compte. Regardez. Vous regardez votre point fantaisie qui est face à vous. Une maille à l'envers. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Sauf que là, regardez, on refait une troisième maille. Qu'on fait glisser, on fait passer par-dessus les deux autres et on lâche. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers et je recommence. Une maille à l'envers et maintenant nous allons tricoter jusqu'à notre anneau marqueur, jusqu'à notre point d'augmentation, c'est-à-dire ici. Un jeté, on glisse l'anneau marqueur, on tricote les deux mailles, on glisse l'anneau marqueur, on fait un jeté, et maintenant on va tricoter les mailles du dos. Donc on tricote nos mailles comme elles se présentent, et une fois que nous avons la maille à l'envers, on la tricote à l'envers, et on refait notre point ici fantaisie. Donc un jeté, une maille à l'endroit. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et vous allez répéter donc à chaque fois ces quatre rangs. Nous avons formé, donc nous sommes au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Nous avons formé notre point fantaisie. On n'oublie pas de faire nos augmentations. Et vous allez regarder, continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez devant. On avait commencé avec 15 mailles, jusqu'à ce que vous ayez 35 mailles. Une fois que ici, regardez, avant votre anneau marqueur, ici, une fois que vous avez 35 mailles, en comptant vos mailles de bordure, comme ceci, regardez, vous comptez vos mailles une par une, et une fois que vous avez 35 mailles, on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire séparer les différentes parties. Alors, quand je vous ai dit, une fois que vous avez 35 mailles pour le devant, ça correspond à... Ça correspond à, regardez, 20 points à jouer, comme ceci. 1, 2, 3, on a fait le quatrième ensemble. Là, on vient de faire le quatrième, regardez. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous en avez 20, comme ça, regardez, vous comptez, vous en avez 20. Donc, ça vous fait 35 mailles au total jusqu'ici. On se retrouve pour séparer le corps et les manches.
Une fois que nous avons fait nos 20 jetés, regardez, quand nous comptons ici, nous devons avoir 20 trous, si vous préférez, 20 trous ou 20 points à jurer. Donc, nous avons 35 mailles pour notre devant. Et par la même occasion, nous allons faire notre troisième boutonnière. Je vous ai dit que c'était tous les 8 rangs. Ce n'est pas tous les 8 rangs, mais tous les 16 rangs, les tricopines, parce que moi, quand je dis 8 rangs, je compte les barres de points mousse, sachant qu'une barre de points mousse est égale à 2 rangs. Donc, maintenant, nous allons donc séparer le devant des manches, c'est-à-dire je tricote mon devant et après, donc on continue, regardez, à faire notre point fantaisie. Donc là, je suis à mon troisième rang de mon point fantaisie. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc je tricote les 35 mailles du devant, de notre demi-devant. Donc voilà. J'enlève là nos marqueurs. Et ces deux mailles que nous avons ici, je les rajoute à mon demi-devant. Maintenant, regardez, je glisse là nos marqueurs, vous pouvez le garder ou l'enlever. Nous n'allons tricoter que les mailles de notre manche et je vais vous dire combien de mailles nous avons. 3. On arrête les augmentations, on ne fait plus d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Donc je tricote, regardez, mon point fantaisie, normalement. Alors je vais vous dire le nombre de mailles parce que j'ai oublié le compte. Voilà, je tricote, regardez, jusqu'ici. Et là, je laisse. Maintenant, je vais tourner, mais avant de tourner, je vais vous dire le nombre de mailles que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51 mailles. Donc j'ai 51 mailles et maintenant je tourne. Et je ne vais tricoter que ces 51 mailles. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Nous n'allons travailler que sur ces 51 mailles. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je suis par la même occasion au quatrième rang de mon point fantaisie.
Voilà les tricopines. Et maintenant, je tourne. Donc ici, votre anneau marqueur, vous pouvez l'enlever. Voilà. Maintenant, vous allez continuer à tricoter ainsi. Là, nous sommes donc, on va reprendre au rang numéro 1 pour notre point fantaisie. Et nous en avons, regardez, vous pouvez les compter comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous en avons 10. Nous allons encore en faire 6. C'est-à-dire, nous allons répéter du rang numéro 1 au rang numéro 4 encore 6 fois. Une fois que vous allez faire encore 6 fois, vous tricotez vos 51 mailles normalement en respectant votre point fantaisie encore donc 6 fois et on se retrouve pour la suite. Une fois que nous avons fait nos 16, regardez, au total, quand nous comptons comme ceci, nous devons en avoir 16. Regardez, quand on compte comme ceci, 1, 2, 3, on doit en avoir 16. Je suis au rang numéro 1 de mon point fantaisie. Et maintenant, nous allons mettre des petites perles. Donc ça, c'est vraiment facultatif, les tricopines. Si vous avez des perles, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, ce n'est absolument pas grave. Alors, vous allez tricoter vos mailles. Voilà. Vous allez tricoter vos mailles jusqu'à votre point fantaisie. Maintenant, regardez. Une maille à l'envers. Et on forme donc notre premier rang. Comme ceci. Je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote une deuxième maille. Maintenant, les tricopines, ici, la maille que nous avons à l'envers, nous allons faire une augmentation. C'est-à-dire, regardez, vous enroulez comme ceci autour de votre doigt et vous faites passer. Maintenant, alors, il faut vraiment que vous adaptiez votre crochet à votre perle. Regardez, il faut vraiment donc un crochet assez fin pour qu'il puisse passer comme ceci. Vous prenez votre maille à l'envers comme ceci et vous faites passer à l'intérieur. Voilà. Et cette maille, on la repositionne sur notre aiguille de droite sans la tricoter et on va faire une augmentation en entourant autour de notre doigt et voilà. Maintenant je continue à tricoter normalement, donc je forme donc avec quand vous mettez, alors si vous ne voulez pas mettre de perles les tricopines, vous faites une augmentation, vous tricotez votre maille normalement à l'envers et vous refaites une autre augmentation. Donc j'ai tricoté une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je termine en tricotant toutes mes mailles à l'endroit. Une fois que nous sommes sur l'envers, on continue à tricoter normalement. Je tourne, je suis sur l'envers de mon travail et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc c'est juste pour vous montrer, si vous mettez une perle, comment vous allez tricoter. Voilà. Et ici, donc j'ai trois mailles à l'endroit. Regardez,
une. Donc ça, c'est la maille où j'ai de la perle. Une, deux, trois. Vous allez tricoter trois mailles à l'envers. Donc vous continuez à faire votre point fantaisie normalement et vous terminez votre rang. Donc vous allez continuer ainsi. Vous allez continuer ainsi. Donc nous avons fait le deuxième rang de notre point fantaisie. Vous allez faire vos quatre rangs. Une fois que vous avez terminé vos quatre rangs, vous allez tricoter encore deux fois le point fantaisie, c'est-à-dire vous allez reprendre deux fois du rang numéro 1 au rang numéro 4. Donc là, vous le terminez, vous allez le refaire encore une fois, rang numéro 1 au rang numéro 4. Une fois que vous avez terminé, vous reprenez encore une fois rang numéro 1 au rang numéro 4 et on va se retrouver donc pour la suite. Une fois que nous avons répété, regardez, nous avons terminé ici notre point fantaisie, on a terminé. Nous en avons tricoté deux autres, c'est-à-dire deux fois, on a repris du rang numéro 1 au rang numéro 4. Maintenant, on va refaire exactement ce que nous avions fait ici. Alors, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Pour le point fantaisie, une maille à l'envers. Et regardez, je reprends au rang numéro 1, c'est-à-dire je fais passer ma maille par-dessus les deux autres, je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, les tricopines, ici, nous avons trois mailles à l'envers. Maintenant, nous allons faire une augmentation. Nous allons tricoter une maille à l'envers et la maille ici au centre, on va refaire, regardez, on prend notre perle qu'on fait passer dans notre crochet, je prends la maille comme ceci sur mon crochet et je fais passer à l'intérieur de la perle. Alors, on peut tricoter cette maille tout de suite ou comme nous avons fait au rang précédent. Quand nous avons installé notre première perle, nous n'avons pas tricoté, on l'a fait glisser. Mais on peut très bien, regardez, la tricoter, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez, je tricote donc la maille à l'envers qui suit et je refais une augmentation. Et maintenant, je vais avoir 5 mailles à l'envers. Donc, je continue à former mon point fantaisie, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je termine en tricotant mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent et ici au niveau de notre perle, les tricopines, vous allez avoir 5 mailles à l'endroit. Ici sur l'envers, vous allez avoir 5 mailles à l'endroit. Et vous allez faire exactement comme nous avions fait ici. Regardez, vous terminez votre point fantaisie, donc on a fait le rang numéro 1, vous tricotez jusqu'au rang numéro 4, vous refaites deux fois encore le point fantaisie, donc vous reprenez deux fois du rang numéro 1 au rang numéro 4, et on se retrouve donc pour placer notre troisième perle. Voilà les tricopines, donc nous avons posé notre deuxième perle, on a terminé notre point fantaisie, nous en avons fait deux autres et maintenant on refait, donc on va placer une troisième perle. Alors, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, vous êtes au premier rang de votre point fantaisie et maintenant regardez, une fois que vous avez fait votre point fantaisie, on va faire une augmentation. On entoure autour de notre doigt et on fait passer. On passe le fil face à nous et on va tricoter deux mailles à l'envers. On prend notre crochet et on met notre perle. Je prends la maille, regardez. Et
avec le bout de mon crochet, je prends, regardez, ma laine et je fais passer à l'intérieur de mon de la perle. Donc, si vous désirez les tricopines, vous pouvez, comme je vous l'ai montré ici, tricoter cette maille ou la faire glisser tout simplement sans la tricoter. Ça n'a absolument pas d'importance. Maintenant, je vais faire deux mailles à l'envers et on fait une autre augmentation. Et on va s'arrêter là en ce qui concerne les augmentations. Donc, on forme notre point fantaisie. Et maintenant, vous allez tricoter. Donc, vous allez terminer votre point fantaisie. On a fait le premier rang ensemble. On a posé une perle là. Donc, vous allez faire le troisième, le deuxième, troisième et quatrième rang. Vous allez refaire encore deux fois le point fantaisie en reprenant du rang numéro 1 au rang numéro 4 deux fois. Et après, on va se retrouver pour terminer notre manche. Voilà comment notre manche se présente, les tricopines. Donc, moi, j'ai terminé. Et donc, une fois que nous avons mis notre troisième perle, j'ai encore tricoté, donc comme je vous avais dit, deux fois notre point fantaisie, du rang numéro 1 au rang numéro 4, donc deux fois. Une fois que j'ai terminé, j'ai tricoté pendant 4 rangs au point de mousse, c'est-à-dire quand je suis sur l'endroit, j'ai tricoté toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, toutes mes mailles à l'endroit. De nouveau sur l'endroit, toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, toutes mes mailles à l'endroit. Et quand je suis revenue donc sur le devant, j'ai rabattu toutes mes mailles. Maintenant, une fois que vous avez terminé votre première manche, nous sommes dans ce sens, nous avons notre demi devant, on va attacher notre laine ici, donc au dos de notre... Alors j'ai laissé, regardez, un fil assez long pour pouvoir faire les coutures après. Donc, je prends ma laine, j'attache ici, donc nous sommes sur le dos, et on tricote nos mailles comme elles se présentent, comme ceci. Donc, nos mailles à l'endroit, nous les tricotons à l'endroit, nos mailles à l'envers, nous les tricotons à l'envers en respectant notre point fantaisie ici. Donc là, nous sommes à notre troisième rang de notre point fantaisie pour le dos. Donc vous respectez, c'est-à-dire que là, vous n'avez rien à faire, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vous arrivez donc ici au niveau des manches, de la deuxième manche. Les deux mailles ici, vous les rajoutez au dos, seulement ces deux mailles, comme nous avons fait exactement pour l'autre côté. 51 mailles pour notre manche que nous allons tricoter à l'identique, exactement comme la première manche. Donc vous allez tricoter exactement comme nous avons tricoté celle-ci, donc la première manche. Vous tricotez la deuxième manche à l'identique et on se retrouve pour assembler les deux demi-devants avec le dos et continuer notre gilet. Une fois que nous avons terminé notre deuxième manche, que voici. Donc, première manche, nous l'avons tricotée ensemble. La deuxième, nous avons tricoté chacune de notre côté. Et donc, une fois que vous avez terminé, vous avez rabattu vos mailles, nous allons passer à notre demi-devant. Donc, comme nous sommes toujours sur l'endroit, comme ceci, vous avez terminé votre manche, vous avez coupé votre laine, vous l'avez accrochée ici et vous avez tricoté vos mailles jusqu'au bout.
Donc, une fois que vous êtes arrivé au bout, donc moi j'ai anticipé, regardez, j'ai tourné, j'ai tricoté mes mailles, comme elles se présentent, je suis à mon quatrième rang du point fantaisie, donc ici sur l'envers, et donc je vais assembler le devant avec le dos. Voilà, donc pour cela les tricopines, j'ai tricoté donc mes mailles et la dernière maille qui est sur mon aiguille de droite, je ne l'ai pas tricotée. Je la passe sur mon aiguille de gauche. Regardez, la deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche, je le fais passer par-dessus et donc comme ceci, j'ai croisé. Et maintenant, je tricote, regardez, les mailles, normalement, comme elles se présentent, à l'envers. Donc, vous allez tricoter vos mailles maintenant, comme elles se présentent. Donc là, je vous montre. Et on continue, donc, vous allez tricoter vos mailles. Je vais vous montrer ici aussi comment on fait exactement la même chose. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent, mes mailles à l'endroit je les tricote à l'endroit, mes mailles à l'envers je les tricote à l'envers. Donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Il me reste une maille, donc j'attache les deux bouts de laine, vous vous souvenez on avait attaché notre laine pour pouvoir continuer, voilà, donc la dernière maille et maintenant donc je laisse cette maille sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter, voilà. Là, j'ai mon deuxième demi devant et je vous avais dit, la dernière maille qui était sur notre aiguille de droite, on la fait passer sur notre aiguille de gauche. La deuxième maille qui est sur notre aiguille de gauche, nous la faisons passer par-dessus la première. Donc, on a croisé nos mailles et on les tricote à l'envers. Et vous allez continuer donc à tricoter ainsi vos mailles comme elles se présentent. Donc une fois que vous êtes vous êtes là, nous sommes sur l'envers, vous terminez et après vous allez tourner et on sera sur l'endroit et il fallait que nous fassions une boutonnière, les tricopines, donc il faut absolument que je fasse ma troisième boutonnière. Je vous avais dit qu'il fallait faire notre boutonnière mais j'ai oublié de la faire. Donc, moi, je ne vais mettre que trois boutonnières. Si vous désirez mettre des boutonnières tout le long de votre gilet, vous pouvez en espaçant de 16 rangs à chaque fois. Donc, une fois que vous avez terminé sur l'envers, vous êtes sur l'endroit. Et sur l'endroit, vous allez compter vos mailles fantaisie. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Nous sommes à notre dixième, regardez, My Fantasy. Nous allons tricoter. Donc, une fois que nous allons être sur l'endroit, on va être à notre premier rang de notre point fantaisie. Et on va le faire deux fois. On va tricoter du rang numéro 1 au rang numéro 4 pour notre point fantaisie. Et on va reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 4. Donc, on aura tricoté deux fois notre point fantaisie. Et après, on va se retrouver pour faire exactement comme nous avions fait pour les manches, faire les augmentations et placer nos perles. Donc, je reprendrai la vidéo une fois que j'ai terminé. Donc, vous faites cela sur tout le long de votre ouvrage, les tricopines. Maintenant que nous avons assemblé le corps de notre gilet, donc vous allez tricoter jusqu'au bout toutes vos mailles. Et une fois que nous aurons fait, donc, nous aurons répété encore deux fois nos quatre rangs. Quand je dis quatre rangs, je parle du point fantaisie, les tricopines. On se retrouvera pour la suite. Une fois que nous avons terminé, nous avons 12 graines de café ici. Maintenant, nous allons faire exactement comme nous avions fait pour notre manche. On va venir faire des augmentations et placer une perle. Alors, vous tricotez vos mailles normalement. On glisse notre anneau marqueur, je fais une maille à l'envers. Regardez, je suis au rang numéro 1 de mon point fantaisie, c'est-à-dire que je reprends. Regardez, je fais passer ma troisième maille par-dessus les deux autres. Je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote la maille qui suit. Maintenant, nous allons faire une augmentation en entourant autour de notre doigt, comme ceci. On prend une perle qu'on met dans notre crochet. On prend la maille ici à l'endroit. Regardez, je prends ma maille avec mon crochet et je tire. Et ça passe au milieu de la perle. Voilà. Donc, cette maille, on la fait glisser. Donc, je vous ai dit, si vous voulez la tricoter, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous ne la tricotez pas. Mais moi, je vous conseille de ne pas la tricoter. Regardez, je repasse. J'ai ma laine. Donc, je refais une augmentation. Et je continue à tricoter. Et je continue. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et pour le dos, nous allons faire exactement comme nous avons fait pour le devant. Alors, on va le faire ensemble. Alors, je vais tricoter avec vous. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc, nous allons mettre une perle entre chaque point fantaisie, comme nous avons fait pour le devant et nos manches. Voilà. Donc, une maille à l'envers. Je forme mon point fantaisie. Donc, je suis au premier rang de mon point fantaisie. Je tricote une maille, un jeté. Je tricote une maille. Maintenant, à notre maille envers ici, on fait une augmentation. On prend une perle
la maille ici à l'envers, regardez, je la prends. Donc moi, mon crochet est très très fin et la maille, je la fais passer sur mon aiguille de droite et je fais une augmentation. Maintenant, je continue mon point fantaisie. Une maille à l'endroit, un jeté. Alors ça a tendance à tirer un peu. Et on recommence. Une augmentation. Une perle. Notre maille à l'envers. Regardez, je la prends comme ceci et je fais passer à l'aide du crochet dans la perle. Et voilà. Et la maille, je la fais passer sur mon aiguille. Comme ceci. Et je fais une augmentation. Je forme mon point fantaisie. Une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit et je vous montre encore une fois. Alors, j'ai mes perles ici et on va faire donc pareil. Dès que nous avons notre maille au centre ici à l'envers, on fait passer notre perle, notre laine, notre maille à l'intérieur, pardon. Alors, comme je vous ai dit, mon crochet est très très fin. Il ne prend pas bien la maille. Et voilà. Et je fais passer la maille. On va y arriver. Voilà. Et tout de suite après, je fais une augmentation. Vous allez continuer ainsi. Allez, tricopines, regardez. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 perles au niveau du dos. Donc, vous formez votre point fantaisie. Ici, à votre maille envers. Ici, à votre maille envers, vous faites une augmentation de chaque côté, vous posez une perle, vous formez ici votre point fantaisie et ici, vous posez encore une perle et vous faites une augmentation de chaque côté. Donc, vous terminez et arrivez sur le devant, vous allez faire exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez fait ça, on fait exactement comme les manches, les tricopines. Donc, vous allez poser votre perle, vous terminez. Les quatre, donc ça c'est le premier rang de notre point fantaisie, vous faites les quatre rangs, donc les trois autres rangs. Après, vous répétez encore deux fois vos rangs, votre point fantaisie, du rang numéro 1 au rang numéro 4, donc vous répétez deux fois. Et après, vous refaites encore une perle, exactement comme nous avions fait pour notre manche, c'est-à-dire une augmentation, une maille à l'envers, vous posez une perle, une maille à l'envers, une augmentation, et ainsi de suite. Et vous terminez votre point fantaisie, vous tricotez encore deux points fantaisie et vous posez votre troisième perle. Et pour le corps, nous allons en poser cinq. Donc, vous posez votre perle, vous terminez votre point fantaisie, les quatre rangs, vous faites deux rangs, deux fois le point fantaisie, donc deux fois, du rang numéro 1 au rang numéro 4, vous posez une perle en n'oubliant pas les augmentations. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 5 perles comme ceci au total. Pour les manches, nous en avions mis 3,
1, 2, 3. Et pour le devant, pour le corps de notre gilet, on va en mettre 5. Une fois que vous avez fait vos 5, vous avez posé vos 5 perles, donc on va se retrouver pour la suite. Mais n'oubliez pas, à chaque fois, vous augmentez. À chaque fois que vous posez une perle, vous augmentez de chaque côté afin d'élargir notre gilet. Donc ici, on se retrouve, quand on a posé notre première perle, on se retrouve avec 3 mailles à l'envers. Quand vous allez poser votre deuxième perle, vous allez avoir 5 mailles à l'envers. Votre troisième perle, vous allez avoir 7 mailles, 9 mailles, 10, 10 mailles, il me semble, ou 11, non, 10, 3, 4, là on en a 3, 5, 7, ah oui, vous allez terminer donc avec 11 mailles à l'envers entre vos points fantaisie et après donc on va se retrouver pour la suite. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, regardez, au niveau du dos, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 rangées de perles. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais vous montrer ça. Problème 2, voilà. Donc j'ai mis 5 rangées de perles, regardez. Donc, comme je vous ai dit, à chaque fois, on répétait du rang numéro 1 au rang numéro 4 deux fois entre deux perles. C'est-à-dire, on posait une perle, après, on terminait notre point fantaisie et on en refaisait deux autres. Et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai posé ma dernière perle, j'ai fait exactement la même chose. Regardez, j'ai terminé mon rang fantaisie. J'ai terminé mon rang fantaisie. J'en ai fait, je l'ai répété encore une, deux fois. Et après, j'ai fait 8 rangs au point mousse. Pour finir, 8 rangs au point de mousse, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Et j'ai rabattu toutes mes mailles. Donc, voici le dos de notre gilet. Je vous montre le devant. Ça, c'est le demi-devant. Donc, par la même occasion, moi, j'ai cousu mes 3 boutons. Et je vais vous donner, donc, en centimètres, la hauteur totale. Voilà, comme ça, pour que vous puissiez bien voir. La hauteur totale est de 41 cm, les tricopines. 41 cm. Une fois que vous avez fait vos 41 cm, vous pouvez rallonger encore plus, vous pouvez rajouter encore une rangée de perles et faire vos augmentations si vous voulez l'avoir encore plus évasé, les tricopines. Donc voilà, notre gilet, comme vous pouvez le voir, est terminé. C'est un très 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 joli gilet. Donc on peut éventuellement décorer. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Alors, voici nos manches. Vous pouvez aussi décorer votre gilet. Donc, j'ai une tricopine qui me demandait un gilet pour sa petite fille pour un baptême. Donc, vous pouvez très bien, ici, au niveau des manches, rajouter de la dentelle. Donc, de la dentelle que vous pouvez coudre par l'intermédiaire, comme ceci, par l'intérieur, excusez-moi, au niveau des manches, au niveau du bas, vous pouvez très bien mettre de la dentelle au niveau du bas et au niveau du col, les tricopines, et ça vous fera vraiment un très beau gilet de baptême ou de soirée, de mariage, comme vous voulez. Vous pouvez décorer ici avec des petits nœuds, à ces endroits-là. Vous pouvez mettre un petit nœud ici et pareil, un grand nœud ici dans le dos si vous le désirez. Donc moi je n'ai pas de, comment on appelle ça, des biais blancs satinés. Donc vous pouvez très bien le mettre en blanc satiné ou dans un espèce de rose très très clair.
pour contraster. Et bien sûr, ici, au niveau de nos manches aussi, vous pouvez très bien mettre des petits nœuds pour décorer l'ensemble. Alors, je voulais vous montrer avec des petits nœuds. Moi, j'ai des nœuds comme ça, déjà tout prêts, que j'ai acheté dans un magasin pour vraiment, vraiment pas cher. Donc, regardez, au niveau de votre première perle ici, vous pouvez mettre un nœud. Donc, c'est vraiment pour le côté. Bon, je vais faire tenir avec une épingle par derrière. Mais vous, donc, vous pouvez très bien coudre. Si vous avez des nœuds blancs, vous pouvez très bien le faire avec des nœuds blanches. Un nœud blanc, pardon. Et comme ceci, regardez, juste au niveau de votre première perle, vous pouvez poser et ça vous fera vraiment un très joli gilet, très habillé. J'essaie de le faire tenir de façon à, pour vous donner une idée. Donc, vous pouvez choisir vraiment les nœuds de votre choix, comme ceci. On peut en mettre un au niveau de la manche ici. Donc vous, bien sûr, vous allez les coudre. Moi, c'est juste pour vous montrer. Voilà, une de ce côté-ci et une de ce côté-ci. Alors, si vous avez la chance de trouver des gros nœuds, les tricopines, pour le dos, ça serait vraiment formidable. Ça serait vraiment, vraiment formidable de mettre un gros nœud ici ou alors le confectionner vous-même. Moi, je ne sais pas faire de nœud. Regardez, j'ai... Donc, il faudrait vraiment que votre ruban soit un peu plus large que ça. Et donc, on va essayer d'en faire un. Bon, elle n'est pas très très grand. Vous voyez, on pourrait faire, je ne sais pas du tout comment on fait les nœuds, moi. Voilà, peut-être, vous voyez un petit truc comme ça, tout simple. Alors, je ne sais vraiment pas le faire, mais là, je le fais comme ceci. Donc, il doit y avoir des tutos certainement sur YouTube pour faire des très jolis nœuds. Donc, avec un ruban un peu plus épais, vous pouvez faire un très joli nœud. Après, bien sûr, comme je vous dis, vous avez des très très jolis nœuds. Et vous pouvez donc, regardez, le fixer comme ceci au dos. Voilà. Vous pouvez le fixer au dos et laisser comme ça les fils assez longs. Voilà les tricopines. Donc, j'ai cousu moi mes trois boutons. Vous pouvez, si vous désirez, mettre des boutonnières tout le long. Je vous ai donné en centimètres la longueur. En début de vidéo, je vais vous donner tout. Comme ça, ça sera plus simple. Et voilà notre très, très joli gilet terminé. Voilà les tricopines. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que cette fois-ci, j'ai bien expliqué comment réaliser ce très très joli gilet. Vraiment, ça vaut vraiment le coup que vous le réalisiez. Alors, si vous désirez le tricoter pour un enfant plus petit, vous pouvez utiliser de la laine layette, les tricopines, en gardant les mêmes dimensions et vous aurez, comment dire, un résultat plus petit. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné le nombre de rangs de mailles, parce que là, quoique en fonction de la laine que vous avez choisie, ça sera forcément plus petit. Donc, vous voyez en fonction de vos points fantaisie ici pour faire la longueur que vous souhaitez. Alors, je vais le boutonner. Voilà. Donc, voilà les tricopines. N'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires. Alors, je suis vraiment, vraiment désolée. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à répondre parce que, comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement. Ça y est, j'ai déménagé. Je suis en train de m'installer. Et
toutes mes notes et tout sont dans les cartons, donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à vos questions. Je m'en excuse. Alors, donc n'hésitez pas quand même à me relancer autant de fois que nécessaire. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.